L'arme c'est bien, Aristrada c'est bien, du coup faut garder un dragon. Donc on va garder le Draconide. Draconide. Le bras de fer. Oh putain, il y a le bras de fer. C'est pas vrai. J'ai complètement zappé le bras de fer. Eh ben, on va laisser le faire sur les deux serveurs, ce bras de fer là. Bon, apparemment c'est nul, mais c'est pas grave, ça fait quand même deux packs à gratter. Joueur ou Shaman Face. Enfin, Shaman Face. Shaman aggro, quoi. C'est pas vraiment du face. Parce que t'as quand même quelques trades à prendre. La reloutitude d'un homme. Ok, on va piocher tranquillouze avec les lava burst et tout ça, mais Doomhammer avec Rockbiter et tout, ouais, bon, ça m'attire pas des masses. On va face là, hein. On met un peu la presse à Pépère, là. Bing. Il peut faire un Hellfire là. Il reste combien de cartes? 21 cartes. Est-ce que vraiment sur 9 cartes piochées, il a déjà son. son fucking. Fucking Reno? C'est pas dit, c'est pas dit. Je préfère jouer le Fierce Monkey. Ça, on va prendre ce trade quand même, malheureusement. Ok. Je comprends, hein. Vivement les vacances alors pour toi. Hein. J'ai pris du temps hier pour regarder les vidéos sur YouTube et il y a des bons moments épiques. Bah bien sûr, Chinus, c'est l'objectif. Merci en tout cas. Et je sais pas si t'as regardé la vidéo d'hier, hein, qui n'a rien à voir avec Hearthstone mais qui est sur Dark Souls. Je l'ai regardé tout à l'heure, je me suis bien marré. Ça me plaît pas trop de perdre mon burst non plus. On va faire ça pour le mettre à portée du. À portée du Draconide, en espérant que une fois un Rhinolock n'est pas Rhino. Après 11 cartes. Ça a l'air d'être le cas. Bon, il a Siphon Soul malheureusement. Ok. Comment il peut répondre à ça? Vu qu'en plus on a le corcron dans la main, ça me paraît être pas mal comme play ça. Mais pour un mec comme toi qui est obligé de se lever à 4h du mat, t'as pas le choix quoi. Ça doit être un peu l'horreur. Ah, le Reno de merde. Non? Shadow Bolt? Soulfire. Fuck. On va le tenter. On veut continuer de le menacer. Il peut pas encore jouer à Jaraxxus. Ok. Pas de conneries. Hein. Pas de conneries la pioche. La tête de pioche. Putain, qu'est-ce qui me fatigue. J'ai envie d'arrêter ce jeu quoi. Oh ta gueule. Ah, ça me tue. Ah oui, d'accord. T'as quand même 38% avec Spindog, quoi. Le mec qu'on connaît de nulle part. Je vais me prendre un Shadow Flame des familles. Je m'en tamponne. Ah putain, il m'a saoulé. Lui.
Merde, je croyais que Patchy n'était pas encore sorti de son de sa cachette. Ah, va falloir peut-être des bonnes cartes, ouais, parce que. Enfin, un peu, pas forcément d'ailleurs. Pas forcément. Oh punaise. Shadow Flame. Ah. Ouais. Ah merde. Ah ouais, c'est pas cool ça. Qu'est-ce que c'est long ces animations? Gros sac. Bah. Spin dog de merde. I hate you. Sinon on fait ça. Et on fait ça. Et on va là. Comme ça notre 5-4 peut peut-être rester en vie. Et puis Ragnaros, si un jour il décide de se pointer, peut éventuellement nous donner le létal. Au final, on la voit assez peu, donc est-ce que vraiment elle est censée être meilleure que War Pirate classique? Je suis pas certain. Et là, je top deck Ragnaros qui va dans sa tête. C'est ça que je veux voir, moi, le beau jeu. Mais pas du tout. On va faire ça. Spin. On est un petit peu obligé de faire ça. Ok. Ok. Shadow Bolt. Toto, c'est la merde. Ok. Face. Face is the place, yo. Alright. Il me reste deux dragons, plus Ragnaros. Allez, je pouvais même pas tenter le létal. Je le mettais à 1. Si j'allais tout face et je mourrais. Oh bordel. Holy shit. Non, ça, oui, c'est mieux ça. Ça paraît plus intelligent. Oh punaise. Oh punaise. Mais non. Enfin quoique, si, c'est pas mal. Bon bah. Une chance sur 3 quoi. Allez Raggy. Le pauvre.